Récemment, l'association Portes Ouvertes a publié son index mondial de persécution des chrétiens. Cet index nous rappelle une triste réalité qu'on a souvent tendance à oublier. Beaucoup de nos frères et sœurs sont contraints de se cacher ou subissent de la discrimination, voire des violences à cause de leur foi. Et les chiffres alarmants qui sont publiés par Portes Ouvertes ne peuvent pas nous laisser indifférents. Mais vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, chrétiens occidentaux, pour nos frères et sœurs persécutés tout autour de la terre? Eh bien, on peut prier Dieu, comme nous y encourage Paul en Éphésiens 6 lorsqu'il écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Lorsque Paul encourage à prier pour tous les saints, il parle de tous les membres du peuple de Dieu, de tous les chrétiens. Alors voilà le défi du mois. Prie pour l'Église persécutée. Très concrètement, ce défi peut commencer simplement par prendre quelques minutes dès maintenant pour prier pour les chrétiens qui habitent les pays qui sont répertoriés dans l'index publié par Portes Ouvertes. Mais je t'encourage à pas en rester là et à t'engager aussi à prier régulièrement pendant tout ce mois-ci pour eux. Et ce défi peut même s'inscrire dans une démarche à plus long terme. En fait, tu peux faire en sorte de prier pour les chrétiens persécutés, par exemple en rajoutant ça sur une liste de sujets de prière. Et tu peux même assigner à chaque jour de la semaine quelques sujets pour lesquels tu veux prier régulièrement, et de cette manière, tu es sûr de ne pas délaisser certains sujets en priant toujours pour les mêmes choses. Par exemple, personnellement, j'ai décidé de prier pour l'Église persécutée tous les lundis, en même temps que je prie aussi pour les peuples non atteints. Tu peux adapter ça comme tu veux, mais je t'encourage vraiment à relever le défi et à prier avec moi pour l'Église persécutée.